J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour un haul Nose. Alors, je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait. Et à vrai dire, j'ai trouvé vraiment de très très belles choses. Je suis vraiment très contente. Donc, je ne regrette pas que mon mari m'y a déposé. Enfin, que j'étais avec mon mari. On a été faire un petit tour. Et moi, j'ai trouvé plein, mais alors plein de belles choses. Alors, Anas, j'ai trouvé donc un joli livre pour faire des jolies créations. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Vous voyez, il y a des petites souris, des petits lapins. C'est pour ça que je l'ai pris, en fait. Regardez comment c'est mignon. Vous voyez, vous voulez faire des petites créations en tissu, en point de croix. Ça fait trop mimi, regardez. C'est 2,99€. Ça fait vraiment pas cher. Petite création couture. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Là, si vous voulez vous faire ça avec une copine, pour une copine de naissance ou autre, voilà, bah, ça peut toujours être trop bien de l'avoir sous la main. Regardez les petits souris, c'est trop mignon. Les petits lapins. J'adore. Allez, des petites fleurs. Voyez, vous n'êtes pas obligé de faire un gris, hein. Si vous voulez faire par exemple que le lapin. Voilà, vous pouvez aussi, hein. Je vais vous faire une petite création et je vous montrerai qu'est-ce qu'on peut faire avec. Des petites créations comme ça, en point de croix, vous verrez, c'est très très beau. À mettre sur une page de scrap ou éventuellement pour une carte. Vous voyez, par exemple, vous brodez la carte, vous prenez le petit lapin et vous mettez sur une carte, ça peut aussi être très très beau. Petite souris. Trop mignon. Regardez, des petits carrés. Enfin, des petits cubes. C'est trop bien. Regardez avec l'ABCDR et tout. Ouais, donc il y a quand même pas mal de gris. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que je me suis dit, ça pourrait être intéressant si je veux faire une petite crayon. Regardez. Vous voyez ça, au moment de Noël, et par contre, moi, j'ai tapé au moment de Noël, vous voyez, vous pouvez faire des petits carrés comme ça. Rien que de le voir comme ça me donne envie de sortir mon fil de broderie et puis faire du point de croix. En plus, j'ai des petits bouts de tissu de nappe, des petites chutes que j'avais gardées. Donc, je pense que ça va me. Ça va bien très prochainement, regardez, avec les petits canards. Là, regardez, j'ai le fermé. Très très bon, j'adore. Je suis content de l'avoir trouvé. Alors, ensuite, j'ai pris de la. Alors, j'ai été surpris parce que j'ai trouvé ça à 9, vous voyez, donc à 39 centimes. Je pense que ça doit être à peu près dans le même prix, à 20 centimes près, je crois que c'est 59 centimes à l'action. Et en fait, bah, c'est du rouleau de colle en mousse, hein, qu'on utilise pour faire le poignet, donc ça, je m'en suis pris deux. J'ai pris également, donc, du joli or. J'ai refait à parler, du joli. J'ai trouvé également du joli ruban comme ça, couleur vichy. J'aurais bien voulu en trouver du rose, mais bon, j'en ai pas trouvé. Donc, c'est à 99 centimes chaque couleur. Donc j'ai. Alors, c'est 2,50 m sur 1,5 mm. Bon, j'aime bien l'ici. Vous voyez, en plus j'en ai pris du marron. Alors, ensuite, j'ai trouvé ça. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai payé 70 centimes. Voilà, et j'ai trouvé ça très très mignon. Je me suis dit, bah, c'est génial.
Vous allez me dire, bah oui, mais bon, c'est quoi? Montre-nous. Alors, c'est une petite agrafeuse, une petite perforatrice, un petit rouleau. Ouais, si vous voulez, vous avez des petits rouleaux, donc de washi tape, bah vous pouvez le mettre. Et là, donc, j'ai une petite. Si j'arrive à l'ouvrir, hein. Enfin, non, à l'enlever, plutôt. Et en fait, ça fait un petit trou. C'est génial. Enfin, quand il n'y a pas trop de place, je me dis au moins, hop, ça va me servir. Alors, par contre, je pense que. Alors, bon, il ne faut pas mettre une feuille. Bon, c'est pas grave, on va faire un trou sur une feuille. Hop, regardez. En plus, elle va super bien. Regardez, il y a un petit récupérateur derrière. Alors, ça. Et puis, c'est une petite agrafeuse. Tout mimi. En plus, violet, c'est joli. Ça me fait penser à la lavande. Et, par contre, vous avez les agrafes. Par contre, j'espère que vous allez en trouver. Peut-être que vous allez quand j'en aurai plus. Parce que ça, c'est toujours un problème. Des fois, on achète des choses et puis, quand on va pour acheter. Les accessoires qui vont avec, malheureusement, on ne trouve plus. Donc, c'est un peu dommage de mettre 75 centimes, mais si c'est pas cher, mais si c'est pour mettre à la poubelle, c'est pas la peine. Alors, ensuite, j'ai trouvé ça. Alors, j'avais trouvé, vous rappelez, donc, j'avais trouvé des sticky notes, et en fait, là, j'ai trouvé ça. Regardez comment c'est joli. Hello! J'espère que j'ai réussi à l'ouvrir parce que là j'ai voulu l'ouvrir. Ah bah voilà. Donc vous voyez, ça fait ça. Il y a un petit trait de cuir. Et ça vous fiche. Alors par exemple, vous voyez, vous voulez mettre ça sur des petites pochettes plastiques pour envoyer une copine. Vous mettez, vous l'agrafez et vous mettez bonjour. Vous voyez? C'est pas mal. Donc ça, il y en a 80 mémos super cute. Cute en anglais c'est mignon. Voilà, vous voyez, hop, on va mettre bisous, bah vous mettez bisous. Donc ça j'ai pas payé cher, j'avais payé 150 centimes il me semble. Ensuite j'ai trouvé donc je garde le meilleur pour la fin, hein. C'est normal. C'est normal. Alors ensuite j'ai payé 79 centimes. Alors, je me suis dit, tiens, c'est du washi transparence. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est écrit Merry Christmas et il y a les petites étoiles. Donc, bon, je ne vais pas vous montrer parce que je ne sais pas si à la caméra vous allez voir. Donc, voilà, bah, j'en ai pris deux paquets. Hop, ma caméra washi. Ça sera pas mal. Hein. Voilà. Ensuite. Alors, c'est en progression au niveau de la... au niveau du plaisir, hein, au niveau... comment je connais ça au niveau des produits, de plus en plus, vous allez me dire, ouais, mais bon, qu'est-ce qu'elle a encore acheté, Christelle? Alors, ensuite, après, j'ai trouvé des coffrets comme ça, de washi, alors, sur le thème Noël. Donc ça, j'ai payé 3,50€. Alors, vous voyez ce que je vous disais l'autre jour à Action? Vous voyez, maintenant, ils ont fait des petits... vous voyez, on voit le décor, en fait. Donc, c'est bien qu'on fait aussi des vidéos. Est-ce qu'il va me faire focus? Voilà, je pense que c'est mieux pour vous. Et en fait, c'est le thème de Noël. Alors là, il y a. Donc il y a 10 mètres de chaque. Il y a. Non, 1 cm sur 3 mètres. Donc on a quand même du refaire. Et je vous montre de l'autre côté. Il y a des petits pères Noël. Les ours. Alors, j'ai l'impression que j'en ai au bout. Alors, je vais vous montrer. On va regarder ça ensemble. Est-ce que j'en ai au bout? Ah non, c'est le décor. D'accord, ok. Vous voyez, parce que j'avais deux fois le même mot qui était là. Vous voyez, vous avez ça dedans. Bon, vous avez quand même pas mal, hein, quand même. Hein. Ça fait 1 cm. Il y a des petits bas d'épines, il y a des petits points d'agma, il
Il y a des flocons de neige, des Pères Noël. C'est quand même. Voilà, ouais, j'étais content de vous retrouver parce que moi j'adore les machines. Donc je me dis, allez hop, dans le chariot. Donc ça valait 3,50€. Donc en tout, il y a 60 mètres. Alors, on va vous montrer comme ça directement. Hein, ça sera mieux. Voilà, donc toujours sur le thème de Noël. Donc avec deux coffrets différents. J'étais content parce qu'il n'en restait que 3. Donc moi j'en ai pris 2 et il en restait 1. Donc le troisième c'était le même. Donc voilà. J'ai pas été gourmand, j'en ai laissé pour les autres. Il faut quand même savoir partager. Puis ça sert à rien que j'en achète en double de toute manière. C'est bien. J'ai pas vraiment de copine qui aime le washi. Donc je l'ai laissé pour quelqu'un d'autre. Alors ensuite, après, j'ai payé ça 3,99€. 3,99€, pour moi, ça fait quand même assez cher. Parce que je pense qu'on est toujours aussi habitué aussi à acheter dans les prix de chez Action. Et après, je me suis dit, je me le prends, parce que vous voyez, c'est tout en relief, c'est tout embossé. Et c'est quand même assez beau. Alors, je sais pas si vous allez voir embossé. C'est un peu dur à la caméra. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Je vous montre. Alors, vous avez donc le papier comme ça. Alors, je pense que vous allez voir. Vous voyez, c'est un petit peu avec de la paillette. Pour certains papiers, alors il y a une main. Deux. Trois. Après, vous avez des flocons de neige. Alors, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est très embossé. Il est magnifique, le gars. Magnifique. Il y en avait un autre avec le foil. 30-30. Mais je ne l'ai pas pris parce que c'était 5 euros. Et 5 euros pour un bloc de papier, moi, je trouve ça, c'est quand même assez cher. Donc, je ne l'ai pas pris. Il y avait énormément de foil dessus. Donc, je ne l'ai pas pris. Je me suis dit, tant pis, de toute manière, c'est bien des blocs de papier. Je sais pas qu'est-ce qu'il manque chez moi. Oh, celui-là il est un peu collé. Bon, c'est pas grave, de toute manière, c'est bien quand il sera coupé, on ne verra plus. Voyez donc, vous avez du glitter dessus. Je sais pas si vous voyez, ça fait style. Ça fait vraiment en relief. Alors après, vous avez l'ose. Trop trop beau, j'adore. Les petits pagouins. Les petits pingouins, les petits pingouins, les pingouins, les pingouins, les pingouins, les pingouins. Ils sont sur la banquise. Oh, c'est vieux cette musique. C'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. Je commence à c'était pour Marie Laforêt qui chantait ça. Les petits oiseaux. Trop, trop mimi. J'adore. J'adore. Pas dire 150 parce que j'aime pas ce magasin. On va pas faire la pub. Trop tard, je suis dit. Ah, tant pis. Ah, vous voyez, ah oui, c'est vrai en plus. Vous voyez, c'est recto. Alors là, c'était pas recto et là, c'est recto verso. Vous voyez? Donc, vous avez aussi des petits renards. J'adore les renards. C'est vraiment très très beau comme animal. Et. Vous avez celui-là, et avec le petit vélo, je trouve ça vraiment trop trop mini. Vous voyez, si vous voulez pas garder la feuille entière, vous pouvez découper comme ça les petits sapins, les petits vélos. Ça peut être original. Vous voyez, vous découpez là, avec l'ours, et vous le mettez sur une carte et vous faites du 3D, ça peut être pas mal. Alors après, vous avez celui-là. Alors par contre, là, il y a moins de glitter. Vous avez des petits sapins. Il est vraiment pas mal quand même. Hein, comme les petits nounours. Oh, petits nounours. Voilà, les ours polaires. Malheureusement, ça commence à être en voie d'extinction. Mais que fait-on subir à notre planète? Je me pose la question tous les jours. On n'est vraiment pas sympa. Hein. Malheur, pas du tout. Hein. Donc là, il y a un petit cerf. Enfin, je pense. Oui, c'est ça. Avec un ruban rouge. Des petits sapins de Noël. Les dessins, ils sont vraiment très très beaux. Hein. Des petits cadeaux de Noël. Ouais.
Et au dos, vous avez des petits flocons. Voilà, ça fait bizarre. Voyez, vous avez deux styles. Vous avez ceux-là et après vous avez ceux-là. Voilà, alors ça c'est le bloc de papier. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, pour ceux et celles qui seraient intéressés, dépêchez-vous parce que moi je suis allée aux noces de commune. Il est resté vraiment pas beaucoup de dailles. Il en restait quelques-uns. Donc, je vous montre. Alors, attention, ne criez pas. Hein. Dites pas, oh, c'est joli! C'est... Parce que je vais vous entendre. Donc, ne criez pas. On se calme. Alors, voilà. Donc, voilà. Le must du must que j'ai acheté, c'est celui-là. Alors, franchement, il est vraiment trop, trop beau. J'adore. Les scènes de neige, de Noël. Voilà. Et en plus, il est super grand. Alors, j'ai payé 5,99€. Bon, c'est quand même un petit peu cher. Hein, mais bon, je me suis dit, c'est quand même un assez grand die. Il est embossé. Je vous ferai une découpe pour vous montrer comment ça se présente. Il est vraiment trop trop beau. Trop trop beau. Et c'est la marque une pièce. Non, c'est celle-là. Voilà. Première édition. First edition. Voilà, donc ça vous fait ça. Voilà. Je vous l'avais dit, hein. Ne criez pas. Hein. Attendez, il y en a encore. Oh, je suis pas gentille. Je suis pas gentille. Ça me fend le cœur pour ceux et celles qui n'auront pas trouvé les dailles. J'aime pas. J'aime pas. Voilà, c'est... Alors, après, il y a celui-ci. Bon, c'est un petit peu plus géométrique, mais j'ai trouvé qu'il était beau. Voilà. C'est des points sétillants, en fait. Donc, ça, je l'ai payé à 2,99€. Alors, j'ai un peu, on va dire, les boules, parce que hier, j'ai vérifié mon ticket de caisse. Et il y a des... dailles qui sont passées à 2,99€. Attendez que je ne dis pas de bêtises. Ils sont passés à 3,99€ sur le ticket de caisse. Et ils étaient à 2,99€. Alors franchement, ça m'a foutu un peu la haine. Et je vais essayer de les appeler pour demander s'ils ne pourraient pas éventuellement, si je ramène les dailles, de voir s'ils ne peuvent pas rembourser le différentiel. Donc, parce que ça me fait quand même 4€ dans les lattes, hein, quand même. Donc, ça me fout quand même, on va dire, un peu les boules. Donc là, c'était bien noté 2,99€ et c'est passé à 3,99€. Bon, vous allez me dire encore, c'est pas trop, trop grave. C'est parce que, bon, le produit était quand même assez sympa. Mais bon, je veux dire, on n'a pas payé plus cher parce que, voilà, ça a mal été enregistré au niveau de la caisse. Donc, je vais les appeler après que j'ai fini ma vidéo. Voilà, donc. Il y a celui-ci. Vous vous rappelez, j'en avais déjà trouvé. Donc là, bah, j'en ai retrouvé. Vous voyez, vous avez 6 dailles. Donc toujours pareil. Vous pouvez faire soit à l'intérieur sans être découpé au niveau du bord. Par exemple, vous voulez le faire au milieu de la page, vous pouvez. Et vous avez celui-là. Donc pour faire des coins. Attendez, attendez, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas le plus beau. Le petit cœur. Ah, je suis désolée, hein, je vous... 2,99€. Je suis méchante. Je vous fais baver, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Alors, celui-ci, je le voulais. Ça va, je suis contente, je l'ai trouvé. 2,99€. Vous voyez, pour ceux et celles qui veulent faire donc avec du point de croix, mettre du tissu, de la laine, ça peut faire aussi joli. Alors, celui-ci, tu as 2,99€. Et... vous avez encore celui-là. Donc, celui-ci est à 3,99€. Voilà. Donc là, vous avez... c'est l'inconnu parce qu'ils ont mis juste le prix de là. Vous voyez, quand même, assez grand quand même. Hein. Vous voyez, au niveau de ma main... Il est long celui-ci, il est très très long. Alors il y avait des dailles que j'ai pas trouvé en, enfin que j'ai pas trouvé, que j'ai pas vu en double. Donc comme celui-ci, il y en avait qu'un. Celui-ci il en restait. Celui-ci il y en avait plus. Celui-là il y en avait encore. Celui-ci oui. Celui-ci il en restait encore un, il me semble. Mais à mon avis quand j'aurai tourné la vidéo, je pense qu'il y en aura plus. Il est vraiment très très beau celui-là. Et vous avez celui-ci. Alors celui-ci, c'est mon coup de cœur avec la petite fille qui fait du patin à glace.
et vous l'avez à 3,99€. Franchement, pourquoi se priver? Pourquoi ne pas le prendre? On se pose la question. Voilà, et donc ça fait une petite maison en... Oups là, voilà, boum! Une petite maison en pain d'épices avec les petits cannes à sucre. Voilà. On fait ça avec du style bois ou style un petit peu pâtisserie. Ça va faire très très beau. Voilà, je vous remontre celui-là. Magnifique. Franchement, je suis trop trop contente. Je vous ferai en vidéo donc les découpes au niveau des dailles et je vous montrerai qu'est-ce que ça donne. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous les trouverez. J'espère que j'ai pas fait trop de frustration pour ceux et celles qui voudraient les trouver et qui les trouveraient pas. Je suis désolée. Bon, j'ai un peu compliqué. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien, mais alors pas bien du tout. Voilà, c'est pas bien, Christelle. T'es en train de faire baver tout le monde et j'aime pas ça. En plus, voilà, ouais, j'ai trouvé. Non. Voilà, j'aime bien partager. Les vidéos que je fais, c'est vraiment pour vous informer des produits qu'il y a dans les nozes et dans les réactions. C'est pas pour m'étaler en disant, t'as vu, j'ai trouvé ça et toi, tu l'as pas. Non, ça, franchement, je peux pas. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas, vous pouvez me retrouver également sur ma page Instagram Perlecom Scrap. Moi, en attendant, je vous fais plein, mais énormément des gros bisous d'amour avec plein de lumière. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye!